Allez, salut tout le monde, c'est Tazric Perassian. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 111, les amis. Et oui, on se retrouve pour l'épisode 111 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent. On avait continué l'émission de combat dans laquelle on avait fait, souvenez-vous, l'épreuve antique qui nous avait permis de débloquer tout simplement le guide Mischioza. Voilà, et on avait... On avait vraiment fait beaucoup de missions, hein. Regardez bien le nombre de missions d'Hyrule qu'on avait dû faire avec lui. Donc voilà, donc on avait fait tout ça, on avait réussi à faire tout ça. Il nous manque quand même encore quelques trucs pour pouvoir un petit peu faire le reste. Alors ici, il nous manque carrément une pierre céleste. Alors ça, il faut faire des missions de combat, je peux pas faire autrement, malheureusement. Mais donc c'est un truc qu'on peut pas faire directement. Mais ça, en fait, ça, il suffit juste de farmer un inox et un linal. Donc en fait, on peut juste... Il manque plus qu'à farmer en fait l'ennemi en force. La mission de combat ennemi en force, et c'est la meilleure mission en fait qui permet de réussir ça tout simplement. Donc c'est ce que nous ferons quand on s'attaquera à la mission, comme j'aime les appeler, progression de la carte, voilà, de l'ensemble. Et donc du coup voilà, et ça, il nous en manque plus que deux, donc pour pouvoir y arriver. Donc j'espère qu'on va pouvoir y arriver très prochainement. Et également, on avait rempli notre première barre de réputation de Firon. Donc maintenant on s'attaque à la deuxième, et j'ai l'impression de voir que c'est la dernière de Firon. Donc écoutez, pourquoi pas. Et donc aujourd'hui, on va directement s'attaquer à la suite, peut-être dernière mission de combat de niveau conseillé, tout simplement, parce qu'après il y en a une autre dans les créatures divines qu'on fera normalement demain, sauf surprise s'il y a d'autres choses qui se débloquent derrière. Donc nous allons faire la fameuse entraînement, enfin le fameux entraînement du guide, dans lequel vous pouvez voir que pour maîtriser au mieux son pouvoir dans ce Sheikah, le guide se lance dans un entraînement. Donc dans lequel on peut voir qu'ici il y a des moblins bleus, des moblins tout court et des bokoblins bleus. En récompense initiale, nous avons une pierre céleste, 10 crabes enduriaux et un diamant brut, plus une arme à côté, et un matériau exclusif à ce champ de bataille, rien du tout. Donc écoutez, équipe fixe, donc on n'a pas le choix d'utiliser le guide de Mischioza, étant limité. On va tenter un petit peu voir à quoi du coup correspond un petit peu sa palette de combat. Donc on va partir en combat directement et on va voir un petit peu ce que cela donne. J'espère que il sera très sympa à contrôler. Honnêtement, je pense, hein, je devrais pas avoir de mauvaises surprises. Donc on verra. Ah oui, quand même, on est passé, je crois, de 130 à 139 de mission d'Hyrule quand même, hein. D'épisode dernier, je crois qu'on était à 130, le chiffre en bas à gauche. Là, il est à 139, donc on en a fait quand même 9, hein, mine de rien, c'est pas trop mal. Et donc, du coup... Alors, commencer la bataille. Oh, éliminer beaucoup d'ennemis. Ah, mais j'ai pas vu par contre s'il y avait une Korogu, putain. Mais vraiment, faudrait que je regarde en bas, je vous jure. Absorber le pouvoir des reliques que vous avez fait apparaître avec vos attaques. Ok. Ah, c'est à peu près comme le système de comment ça s'appelle, absorber le pouvoir des reliques antiques que vous avez fait apparaître avec vos attaques. Ok. Non. Ok. Hop, boum. Oh oui, mais c'est génial. La palette de combat, elle est géniale. Ok. Oh bah là, on va pouvoir un petit peu voir son coup fatal, parce que ça m'intrigue beaucoup. Ok. Donc c'est trop pété, en fait. C'est trop bien. Tac. Ok. Nous l'avons eu. Merci. Moblin. Non. Parfait, nous l'avons eu. Et voilà. Allez, on va pouvoir un petit peu le calmer. Alors, c'est trop bien. Sa palette de combat, je l'adore. Boum, 212. Oh putain, on est en train de tout défoncer. Hop. Ok. Eh, c'est pas gentil ça. Hop. Oh, une autre mobiline. C'est pas gentil ça. Non. Attention. Alors, il faut attaquer, j'ai l'impression quand même. Ok. Faut attaquer, enfin, dans le sens où on est obligé d'attaquer pour avoir remplir notre... pour absorber les trucs.
Hop. Ah, j'ai... Oh, je t'ai pas vu toi derrière. J'ai juré, j'ai pas vu. Non. Bah alors. Voilà. Attendez, mais je comprends pas. Comment on fait pour comment ça s'appelle, pour le coup fatal, enfin absorber le pouvoir antique des reliques invoquées par vos attaques fortes. Appuyez sur ZR pour vous libérer les... Ok, donc en fait c'est X pour les reliques. Voilà. Ah oui. Ok. Ok. On va vite le calmer, c'est moi qui vous le dis. C'est moi là, t'es mort. Ok, un moblin bleu est apparu sur le champ de bataille. Hop. Merci. Ok. Boum. C'est trop bien. Fagot de bois, mais bon là on s'en bat les couilles du fagot de bois. Hein. Désolé mais là... Ok, on va vite se calmer. Putain, on a les trois dans notre champ de mire. Bon, il y a déjà deux morts déjà. Voilà. Allez, go. Hop. Oula. Alors. Boum. C'est génial sa palette de combat. Je suis en kiff, vous pouvez pas savoir. Et voilà, nous l'avons eu. Eh ben voilà. Bon ben, c'était une mission de combat très intéressante. Alors par contre j'espère de pas avoir loupé de Korgou, je vous le dis. Je vais j'irai voir en bas à gauche là de l'écran s'il y en a une ou pas, parce que j'ai vraiment oublié de le regarder, ça je dois vraiment faire attention. Et niveau 36, pourquoi pas. Ah, oh, l'anneau de l'éveil, anneau de guide. Les anciens guides spirituels de Shaika portent ces anneaux dont les procédés de fabrication sont toujours perdus. Il permet d'invoquer et de contrôler d'anciennes reliques à volonté. Ces anneaux remis aux guides spirituels de haut niveau possèdent des fonctions comparables à celles de la tablette Shaika et permet de contrôler toutes sortes de reliques. Ok. Ah, la grande fée, pourquoi pas. Ok, nous avons obtenu des choses. D'accord, Bokoblin. Alors, heureusement, parce qu'on en a bientôt plus. Et Moblin, pourquoi pas. Ok. Est-ce que ça débloque quelque chose derrière déjà? Allez. Voilà. Bon. Oh, non. Ça ne débloque plus rien derrière. Donc en revanche, est-ce que... Non, c'est pas ici. Non, c'est pas ici. Il n'y a pas de Korogu, hein. Il n'y a pas de Korogu, non. Sinon, ce serait indiqué. Question, j'ai pas vu là-dessus. Il y a pas de... Non, il n'y a pas de Korogu. Donc, écoutez, bah, c'était la dernière. C'était la dernière des niveaux conseillés. Donc, du coup, bah, l'épisode prochain, on va pouvoir s'attaquer tout simplement à la créature divine. Alors, par contre, ça, je suis mais entièrement pour. Les... Voilà. Rien que pour tout acheter. Voilà. Ça, honnêtement, je dis pas non. Voilà, du coup, nous avons le un des trucs. Ok. Non. Là. Ah, ça, il nous manque toujours ouais, deux certificats d'inox, quoi. Non, mais c'est vraiment une blague. C'est vraiment une blague. c'est vraiment une blague. Donc moi, ça ne s'achète pas les certificats. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. En revanche, les amis, c'est important. Il y a un truc important, c'est faire ça parce que ça commence à craindre un peu du cul. Je suis désolé de dire ça, mais là, ça commence à craindre un peu du cul. 10 selbardes de chevalier, on va laisser. Hein. Non, c'est mieux ça finalement, parce que paradoxalement, c'est mieux ça. Hop. Ouh. Ouh. Oh, mais dites-vous que c'est encore meilleur que ce que je pensais. On va fusionner. On va fusionner.
Ah oui, ça crée un autre saut. Ah les amis, on va fusionner. Allez, on fusionne. Faut porter nos couilles des fois. Voilà, l'épée de légende. 59 déjà, c'est une bonne nouvelle. Imaginons. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Imaginons si je fais ça. Non, c'est de la merde. C'est totalement de la merde ce que j'ai fait. Bon, là. Là, pas le choix. Voilà. Impa 42. Voilà. Zelda. 19. Mais c'est pourri ça. Pourquoi j'ai un truc à 19 ici? C'est normal. Je sais pas. 35. Ah, 35. Je suis désolé. On va peut-être arrêter ça et mettre ça. Oh! Oh! Oh mon dieu! Oh, si possible! Oh, mais ça serait génial! Mais c'est pas possible. Ah, oh, c'est pas possible, c'est pas possible! Ah, ça peut être intéressant, hein, pour Zelda surtout! Ah, là. En plus, ça crée un truc! Ouh, on peut choisir une des deux là! Dégâts infligés avec plus 4% si tout cœur tout rempli, mais c'est important, c'est intéressant! On peut tout défoncer avec ça! Eh ouais! Eh ouais, allez, il faut porter nos couilles, c'est bon. Non, pas ça. Ça fait un truc à 64, les amis. Imaginez, 64. 64. Faut porter nos couilles un peu. Mifa. Pff, Mifa. Daruk, qu'est-ce que tu me dis, mon grand? Tu me dis, mais pas grand-chose, en fait. Hein. Allez, ça a été, on améliore un brin l'arme. Toi, avec tes deux arcs à la con là. 40. Oh, attaque forte, ça peut être intéressant. On fusionne, ça peut être intéressant. Dites-vous que ça peut être très intéressant. Et ça peut même être encore plus intéressant si je peux faire. Parce que là, 42. Non, ça sera peut-être pas intéressant. Donc, on va rester sur notre position. Oh, cimetière Gerudo. Ah oui, c'est vrai qu'on avait débloqué des choses avec elle. Hein. 31, 30, 43. Non, pas ça. Voilà, ça je préfère. Non, pas ça. Si, ça. Non. Si. Attendez, qu'est-ce que j'ai fusionné là? Ok. Non, pas ça. Ça, oui. Voilà, déjà, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, il faut juste un petit peu se calmer quand même. Un tout petit peu, je dis bien. 6. On peut tenter le petit 6 là. Mais ça me suffit. Si, ce serait bien pour les augmenter les matériaux. Donc, on va le faire augmenter. Par contre, ça non. Parce que ça, c'est quoi? C'est une obtention des pièces antiques. Remplissage, chargeage de coup fatal. Non, ça, c'est de la merde. C'est de la merde. Donc, je vais fusionner. Vous savez quoi? Comme ça, ça sera tranquille. Et comme ça, on a ces 3, 4 là. Ok. Noya. Oh, avec Noya. Oh, yo, 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 yo. Oh, lolo, lolo. 32. Non, pas vitesse d'attaque. Pas vitesse d'attaque, s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que la vitesse d'attaque, s'il vous plaît? Non, pas la vitesse d'attaque, on s'en fout. Capacité d'esquive. Oh, je vais les boomer. J'en peux plus. Putain, ça attaque. Ah, ça peut être bien. Voilà, quand on parle. On fait pas de conneries. Non.
Attends, si j'ai fait une connerie là. J'ai fait une connerie. Voilà. C'est ça que je veux faire. Voilà. Merde, hein. Voilà, c'est bon. Et on va le laisser tranquille celui-là. Alors. La grande fée. Alors ça, la grande fée. Objet rempli. Non. Remplissage de jauge de coup fatal. Fliges, dégâts, fliges. Ça, ça me fait chier. Vous voyez? Parce que on a. Ça, c'est des trucs de merde. C'est des trucs de merde. Donc on va les laisser, mais c'est des trucs de merde. Donc je pourrais faire ça, mais ça sert à rien. Donc on va les laisser, j'ai pas le choix. On va attendre une meilleure arme. Et le guide. Le guide déjà, ça c'est déjà un truc positif. Un brin mieux. Voilà, je pense que là on est bien parti pour le pour l'aventure. Donc du coup l'épisode prochain, comme je vous ai dit, on s'occupe de la mission de combat avec la créature divine, tout simplement. Donc le fameuse la fameuse chasse, la chasse au gang des Higas aux commandes de Vanna Boris. Donc on sait que cette créature divine, on sait comment la manipuler, ne vous inquiétez pas. Donc on s'occupera de ça du coup l'épisode prochain. Normalement du coup ça sera mercredi demain, donc ça veut dire jeudi, sauf surprise, mais jeudi. Nouveau scénario, pourquoi pas après tout. Et on se retrouve donc très prochainement pour la suite de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. D'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde, hey.